Ah bah ça doit être l'âge. Et tiens, elles ont été nominées au festival de la fête dans la catégorie l'équipe faisant le plus la fête à l'étranger. Ah ouais? Comment ça se fait? Ben, elles sont parties en camp de foot, une fois à Turin et une fois en Tunisie. Ah, ben y en a qui ont de la chance, hein. De ce que j'ai entendu, la première, quand les moins de 18 étaient à Turin, elles jouaient contre Ostermundingen. Et puis alors que les moins de 18 ont été en camp de Tunisie, la une était encore à Schwitz. Ouais, non, mais attends. À ce qui paraît, il s'en est passé de ces choses. Ah ouais, vas-y, raconte. Non, non, je peux pas raconter. Allez, c'est non, non, c'est trop choquant. Oh, franchement, t'es trop nul. Mais bon, elles ont gagné, mis à part ça. Attends, je lis. Ah oui, oui, elles ont gagné haut la main. Ah ouais? Mais c'est bizarre, les moins de 18 ans, c'est pas interdit de sortir, normalement. Ouais, mais fais pas, c'est seulement quand elles sont à l'étranger. Parce qu'en ce qui concerne la tête en Suisse, elles ont été dominées dans les deux catégories. En ce qui concerne la catégorie faire la fête après les matchs, c'est bien sûr la première équipe qui l'emporte haut la main. Mais attends, il y a mieux. Parce qu'en ce qui concerne faire la fête avant les matchs, la 2 a décroché la palme d'or. Ah ben bravo, dis-moi. Mais dis à part ça, dans ce club, à part sortir, ils font un peu quelque chose. Oui, oui, un peu de foot quand même. Et un poil de théâtre. Alors, mesdames et messieurs, veuillez faire un triomphe au M18. Ce soir, nous sommes en compagnie de charmants jeunes hommes et demoiselles pour remettre ou recevoir les prix des ES Awards. Pour le premier prix, j'appelle à la barre Céline Lance et Laurent Jacquemin, deux jeunes joueuses de la première équipe d'Hiverdon. Pour le prix du meilleur dragueur ou de la meilleure dragueuse, les nominés sont Audrey Riat pour sa tchatche habituelle, Camille Rémy pour sa sorte de beau garçon, et Alain Béguin pour sa façon de draguer les belles filles en boîte. Et le gagnant est... Alain Béguin pour sa façon de draguer les belles filles en boîte. Et le ou la quatrième est...
match Hiver Benoît féminin. Elles ont gagné 3-0 contre Team Bazel. Maintenant, il faut que je me dépêche. Il y a la 2 qui joue à 15h et ce soir, il y a la Liga qui joue à Seguel. Allez, à bientôt. Pour le troisième prix des ES Awards, j'appelle à la barre Noémie Benet et Camille Rémy, deux joueuses de l'équipe A et de l'équipe nationale suisse. Pour le prix de la fille la plus féminine, les nominées sont Maëva Sarrazin, la belle romance de Crossness, Jean-Diego Van Almen pour sa façon de chanter d'une manière très aiguë sur les classiques de Disney, et Mélissa Schreini pour son élégance naturelle. Et la gagnante est Mélissa Schreini pour son élégance naturelle. Ça prise toujours tes vêtus. Dites jamais que je vous ai dit ça. Mélissa me tue. Eh oui, c'est moi la plus féminine. Regardez, j'ai même posé pour cette affiche. Eh, mais moi aussi j'ai sur cette affiche. Ok, vous êtes les deux les meilleurs, venez. Ah, je m'aime. Je l'aime sur tout Michalak. J'appelle nos juges de voix qui évoluent en équipe nationale suisse, à savoir Maëva Sarrazin et Caroline Abbé. Sa façon de chanter de manière très aiguë sur les classiques de Disney. Camille Raymond pour ses beaux pas de danse. Et ainsi que Noémie Benet pour sa manière de motiver les troupes au retour et de mettre l'ambiance dans le minibus. La gagnante est Jean-Diego Van Almen pour sa façon de chanter de manière très aiguë sur les classiques de Disney.